Et bien sûr, ça va passer, donc il y a... Hello, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur TV La Caille. Encore une fois, nous comptons avec vous pour nous porter une autre vidéo pour vous, pour nous porter information de plus. Et bien sûr, ça va passer, donc il y a un pays d'Haïti pour aujourd'hui. Et la profiter de remercier, qui nous fait comme d'habitude, tout ce qui a toujours été connecté sur TV La Caille. Et bien, tout fanatique, nous, amis, compatriotes, quel que soit côté où il est, dans le monde, qui va jamais suspendre, garder vidéo, nous, on a dit merci pour confiance et fidélité. Et pour respect ou ban nous comme un canal qui est là pour informer sur l'actualité, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, nous toujours là pour nous porter eh bien tout détail pour vous. Je dis à la, donc PMJ tabaye une conférence de presse ou bien un point de presse côté, eh bien, monsieur t'a parlé sur ce qui a passé dans le pays, surtout au niveau insécurité, dossier kidnapping et dossier armes illégales qui a entré dans divers ports dans le pays d'Haïti. Et bien finalement, la police mette un gros taureau, un gros chalbrak dans la ville Cap-Haïtien en Bacode, qui, monsieur, si on en est tout, et bien qui toujours a recevoir, donc qui cagé son zam dans la ville, ville au Cap-Haïtien, et pour aller faire ça, le doit faire. Et bien, PMJ confirme tout, que l'autre nèg toujours là, d'après information déjà jointe, qui peut prendre code dans le jour vidéo là. Et bien, en pile, gros déclaration faite surtout. Et pour PA et puis divers autres monde dans l'église catholique et puis et docteur dans l'hôpital Benamizlan qui est kidnappé par les 400 maraudeurs et puis elle fait gros déclaration mesdames et messieurs, on va l'inviter au temps d'elle donc elle quitter dans primature aujourd'hui pour point de presse sur insécurité dans le pays d'Haïti. Vous êtes connecté sur toute vidéo pas rater un rien dans ça qu'on va dire, on va tourner pour au prochain point de presse matin. C'est sous remonter des cas de kidnapping. Hier, c'était une journée noire pour toute la population haïtienne. 12 personnes kidnappées et nous rendons compte que c'est toute couche population qui est victime à ça qui passe. Nous arrivons dans une période dans la vie nous comme peuple de ne pas respecter pasteur, religieux, paix, monseigneur, parce que dans le temps, l'arrivée devant prêtre, vous obligez même ranger comportement, garder comment habiller, contrôler bouche pour qu'on soit dit parce qu'au devant, il y a une autorité morale. Au devant, il y a un monde qui fait vœu de chasteté. Au devant, il y a un monde qui fait vœu de pauvreté qui dédie toute vie pour servir. Vous faites l'école pour vous, vous bon manger, vous faites réfectoire, vous faites une pile sociale, son bon philanthrope. Ça veut dire, les gens qui font bien, c'est des bons samaritains. Mais quand il y a personne qui ne respecte les prêtres, nous ne respectons pas monseigneur, nous ne respectons pas pasteur, nous ne respectons pas journaliste, nous ne respectons pas docteur. Qui l'a pour bonne santé, qui l'a pour veiller sur qualité de vie, nous. Ça veut dire, ce sont les fondements du pays, les fondements de la société haïtienne qui effondrent. D'où la nécessité pour moi lancer un vibrant appel à toute couche qui est dans la population, à toute société civile haïtienne, groupe organisé ou pas, moun kap fè religion, moun kap fè politique, c'est nous toutes les victimes, là, qu'on a pouvoir, qu'on a opposition. Mettons la main bas haut
pour nous venir réfléchir ensemble, pour nous connaître qui ça n'a fait avec le pays qui arrivait dans le niveau ça. Je profite tout pour me présenter sympathie par l'Église catholique, par l'Église protestante, tout culte à la ronde badet, parce que l'autre jour c'était adventiste, je connais protestant victime, je connais évoluisant victime, catholique, ils font plusieurs coups sur eux déjà, parce qu'ils ont kidnappé, mais les sœurs déjà. On songe Kawane, hein? Et hier, ça a lui-même son gros catastrophe, son tremblement de terre qui passait dans Sacrivière, dans Galette Chambon, dans la zone Croix des Bouquets. Information qui est disponible, que nous sommes joints dans CSPN, non? Kidnapping les dirigeait. Autorité policière avec autorité la justice. Tout goût que tu as gagné dedans, toute discussion que tu as gagné, c'est parce que tu voulais dire qui moun. Yo poko dim ki moun, y a continué chercher pour yo ban moins des informations correctes pour nous-mêmes dans CSPN nan, sur le plan stratégique, sur le plan macro pour nous prendre décision que nous supposons prendre. La police tout doit continuer renforcer présence li à travers les rues pour dissuader ces malfrats qui chita kap commettre crime, gros crime dans tout le pays pour nous rassurer la population. PNH la tour a continué le travail de nettoyage que l'a fait en tant institution. Parce que j'en ouais société a fini, hein, la police c'est le reflet de la société. Tout comme il y a un ingénieur qui défroqué, il y a un agronome qui défroqué, il y a un journaliste qui défroqué, il y a toute couche dans la société, il y a des gens qui ont fait ça pas correct là d'ailleurs. Mais ça ne veut pas dire c'est toute société qui n'est pas bon, parce que nous prenons compte qu'il y a un pile monde de bientôt en pays. Il faut nous comprendre ça. La police là continue à identifier tout le monde qui a fait ça qui pas ça pour le faire job li correctement. Le monde qui a fait trafic ZAM avec munitions, ça veut les balles, ça veut les cartouches là. Des mesures qui prennent déjà dans le niveau douanier. Nous te connaissons tout ça que tu as gagné Saint-Marc l'autre jour. Mais nous allons continuer à renforcer les mesures. Que nous sommes contents, que nous ne sommes pas contents, parce que, moi je dis déjà, il y va du fondement même de la société haïtienne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Le commissaire du gouvernement, c'est pour mettre l'action publique en mouvement, pour chercher les gens qui ont importé des armes avec munitions illégalement dans le pays. Pour qui ça me dit illégalement, c'est parce que gagné compagnie de sécurité illégalement reconnue par l'État qui doit commander des armes et munitions. Gagnant les deux forces reconnues par la Constitution de la République, qui c'est l'armée et la police, qui gagnent tout droit commander des armes avec munitions. Le ministre de la Sécurité, de la Justice et de la Sécurité publique a été instruit pour que les familles, j'ai dit, les familles ou personnes qui ont été identifiées et qui apprennent mal un plaisir
nan fè zam ak munisyon sa wè le bal katouche rentre nan peyi a, fòk la justice apréhende yo et déféré yo devant leur juge naturel. Quand m'a parlé de juge naturel, m'a tout entré dans le dysfonctionnement du système judiciaire en Haïti. On parlait plusieurs fois déjà sur ça aurait les détentions préventives prolongées. La loi prévoit le moun al nan prison, lo arrêton moun pour quelque raison que ce soit, gen yon période pour le comparaître devant juge naturel li. Mais nous pas jamais respecter ça. Et m'a pou di encore, gen en pile moun ki fin purger peine yo qui entre dans prison. Gen yon moun tou ki pas jamais juger, pas jamais paraître devant juge. C'est en permanence dans prison, moi pas carré l'île, détention préventive prolongée parce que li pas 72 heures, li pas une semaine, li pas deux semaines. Il y a monde qui gagne 5 ans en prison qui pour que jamais paraître devant juge et qui commettent des délits ou bien qui commettent en contravention ou bien pendant la police a fait travail, il était au mauvais côté dans mauvais moment. Et bien arrêté, mais il pas jamais paraître devant le juge. Mais tout ça arrivait parce que le système judiciaire là, qui gagne deux majeurs jean la donnée, il y a le ministère de la Justice, l'autre là, le CSPJ, il n'y a pas jamais 40 ans pour connaître qui gens y a distribué la justice par la population qui a payé taxes. Pour payer yo, salaire yo, pour payer avantage yo, pour payer privilèges que yo gagne. Entre temps, population avec ces chefs-là, c'est pas sans raison que fait dans des présidents toujours répéter que tu restes ça pour le peuple-là. Il pas qu'à jouer rien, malgré toute sale baille. Population en main de justice. Bandit que des CPJ arrêté, retourné dans la rue. Et c'est la justice qui l'a guéri. Pour mettre by toute preuve possible et imaginable, il a plagué quand même. Pendant que l'exécutif là prend toute disposition pour le combattre en sécurité, n'a pas encouragé la justice. Qui c'est un pouvoir indépendant. Ça veut dire, exécutif n'a pas aucun pouvoir pour aller parler avec la justice, pour le faire travailler et bailler population justice. J'entends la justice qui les têtes liées, la femme aux yeux bandés, bailler justice à moun qui méritait la justice. Il y a quelques décisions que nous prenons dans CSPN. Ça. Direction départementale de l'Ouest là, de la PNH, faut qu'yo prenne des dispositions et nous mettez tout bagarre à leur disposition pour yo bay population en service jan yo supposé faire. La police tout recevoir instruction pour le dégager, identifier côté moun yo kidnappé yo ye pour yo libérer yo sans condition et sans délai. Faut que yo mette bandi yo tout hors d'état de nuire. N'a réalisé que dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, après nous te fin prendre disposition pour détenter véhicule, kidnapping nan te descend considérablement, mais pas vle di à zéro. Mais moi te dit tout que m'connais kidnapper y a travail pour moi.
Abdi dit, il y a travail pour bonne réponse. Et c'est ça qui est là. Le soulagement que je gagne, je me rends compte que le kidnapping est fait en dehors de Port-au-Prince. Je nous connais, hein? Dans le gouvernement, dans la direction générale de la police, là, dans le ministère de la justice, il y a travail pour augmenter l'effectif policier. Nous sommes déjà à 25 000 policiers, alors que jusqu'à présent, nous avons 15 000, 14,5, 15 000. Ça veut dire que la police n'a pas une présence dans tout coin de la République. Il y a des côtés qui ont 10 policiers qui ont 2. Mais le gouvernement est conscient de ça et il travaille sur ça. Il y a en pile zone qui est délaissée. Par exemple, côté, il y a un religieux avec plusieurs familles hier là. Son côté m'habitue à aller, m'aller là souvent. Tout comme on a sorti ici là, on arrive à l'Eogan. L'orphine qui était Marianne Pito. On ne doit pas jamais jouer un policier sur AXA. Et c'est dans la zone ça, généralement, des audios passés. Par exemple, la plaine, moi habite en pile à plaine, la plaine grand pile débouché, en pile sorti, et il est tout près frontière. Ça veut dire, nous, ces grands monde, nous sommes capables d'imaginer qu'il y a des ordres sécuritaires qui viennent la plaine, tout comme la zone de Carrefour, qui sont gros communes, il y a un pile débouché tout, il y a un pile des ordres qui sont faits là. Mais notre travail sur ça pour résoudre le problème. Nous ne sommes pas satisfaits de la performance, nous, dans le gouvernement, dans la police. Nous entendons tout, analyse que l'analyse politique nous fait. Nous entendons toutes nouvelles qui sont dans le pays, parce que nous sommes obligés d'entendre tous les journalistes qui ont parlé, toutes radios, parce que nous avons chance, nous ne comptons pas tout le bagaille, mais c'est le un journaliste, un leader d'opinion, à parler, c'est le ça nous apprendre qui gens population recevoir, feedback, yo, nous joignent yo, dans la presse, dans la radio, dans la télévision, sur les réseaux sociaux, pour nous rendre nous compte que la population n'est pas du tout satisfaite de la performance. Non. Mais nous n'étions déjà pas satisfaits, mais notre travail, pour améliorer la performance. Non. La justice tout supposé mettre l'action publique en mouvement contre tout le monde qui a importé illégal ZAM, balles, cartouches, ça veut les munitions. J'aime ça dire nous, il y a cherché plus preuve pour yo dim ki moun yo ye, mais m konnen Jean CNDDR, la police nationale, le ministère de la justice, yo inventorié plus de 175 gangs qui fonctionnent dans le pays, yo identifié tout. Yo un certain nombre de familles et de personnes qui fait commerce ZAM avec munitions. J'en nous connais un, il y a un pile problème dans la frontière, yo, tout comme il y a un pile problème tout dans Wafio, que le Saint-Marc, que le Cap-Haïtien, que le Miragouane, que le comment est l'autre privé, la FITO. Il y a des autres de tous côtés. Mais l'autre jour, j'étais obligé de rappeler un journaliste à l'ordre qui, au cap, nous font saisir le conteneur qui était dans ça. Il a arrêté tout le monde. Le commissaire de gouvernement près du tribunal civil du Cap-Haïtien, il relâche mon nom.
deux semaines après, mon l'autre conteneur d'âme, alors qui était âme là-dedans, Pablo, nous pensait que conteneur a plein d'âme, non, c'est mon conteneur qui plein d'âme, il a dissimulé une certaine quantité de munitions, et puis certains âmes tout, dans quelques colis dans le conteneur. Et puis c'est même Mounsa qui est tellement chef, impunité a tellement gros en Haïti qui tournait qui vient dédouaner deuxième conteneur. Moi, après, je suis en prison. Je souhaitais que le commissaire gouvernement qui l'a connu, lui prenne précaution pour ne pas plaguer mon nom encore malgré la police des CPJ, bah, toute information, bah, toute preuve qui dit mais qui est-ce qui met Zamio. Mais tout jusqu'à présent, tout, je cherche qu'on est qui est-ce qui t'embarque et conteneur. Mais j'ai une information, ça, elle est extrêmement compliquée. Je finis là. C'est pour ça que je demande la presse support. Le autant d'informations, ça, diffusez-le. Baille nouvelle. Parce que moi-même, en tant que Premier ministre, je fais tout ça capable pour bailler sécurité dans le pays. CSPN a dû faire dans le temps normal chaque 3 mois. Je fais par semaine. Des fois, je fais 2 non-semaines. Des fois, je réunis en pile de monde qui sort dans la société civile qui a information pour venir partager information avec la police. Mais ma pourrais dire encore, appel ça que moi lancé à tout secteur de la vie nationale, ce n'est pas un appel politique, ce n'est pas ça que j'ai réglé. Je m'adresse à nous, les partis politiques, les chambres de commerce, les cultes, côté catholique, que ou protestant, avec toute confession religieuse qui est dans le groupe protestant. Je voulais parler de baptistes, adventistes, pentecôtistes, l'âme céleste, quel que soit mon ouïe, moi, demandez-nous, aide-nous, moi, demandez-nous, support-nous, parce que je ne connais pas un monde qui n'est pas victime de sécurité en Haïti. Ce n'est pas un monde qui est kidnappé, c'est un monde qui prend balle. Moi-même, dans la primature, là, moi, j'ai 2 policiers victimes dernièrement. À coup de roche, vite machine crasée ou blessée dans toute figure. Samedi encore, moi, j'ai un policier, l'un des policiers les plus disciplinés de la primature. Bandit, tiré sur lui dans le pavé. Nous courons pour l'hôpital. M'a planifié jeudi après me fin parler avec nous Malwell et puis il mourir un soir. Ça veut dire moi-même m'a souffri tout parce que des proches moi qui victime, qui blessé, qui mourit. Moi nous gros dilemme là avec la police nationale. Nous signons un contrat avec une firme, un haïtien, c'est monsieur Cavé. Eric Ave, qui signe un contrat avec l'État haïtien pour construire 623 appartements pour policiers. Et puis, monsieur a descendu la ville là, pratiquement dans la même zone côté a attaqué l'inspecteur de police là. Et puis, on a logé un balle dans la tête, l'écrasé figure monsieur. Le moi-même m'a planifié pour faire un avion ou bien chercher un moyen pour me presser déplacer parce que. Et Taltea, je suis arrivé dans l'hôpital général, malgré tout ça, médecin a fait pour lui, nous perdons, monsieur. Ça veut dire, c'est un projet qui campait. Nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous obligés à faire l'autre négociation pour nous faire construction dans bénéfice policier. Alors que, nous avons parlé de 200, 300 unités de logement.
Le nous sommes dans la police, nous avons tombé dans le quartier populaire pour nous construire une caille pour nous. C'est une méthode qui marche très vite, mais nous avons dans qui ça insécurité à mettre. Appel moi lancé à tant pis souple, tout le monde qui a une bonne volonté, nous avons besoin de discuter avant. Nous n'avons pas besoin de discuter politique, ce n'est pas ça qui intéresse nous. Nous avons content pour nous discuter politique, mais il faut une chita pour nous discuter sécurité. Cap ban politique là, cap ranger économie dans le pays, cap ban la santé, cap ban tout bagay. Parce que stress assez pour tuer tout le monde dans le pays. Merci en pile. Merci encore pour patience nous. À très bientôt. Merci beaucoup. Dit Premier ministre, merci. Avec toutes